Et ta mémoire maintenant? Ça va mieux? Maurice veut rien me dire. Mais je parie qu'à toi, il t'a parlé. J'en peux plus de cavaler, putain! J'en peux plus. Tout ça à cause de l'autre et de Spirce. J'ai tué sa nièce et il n'arrêtera pas avant de m'avoir retrouvé. Qui sait, ce mec? Qui sait? Oh, qu'est-ce que je vais faire? Faut que je parte d'ici. Yo, Maurice! Qu'est-ce que tu fous, petit bâtard? Oh, merde! Je peux savoir ce que t'as foutu? Quoi? C'est à moi qui parle. Je te laisse seul 2 minutes, et voilà. Rends-moi les balles. Je les ai jetées. Bah quoi? Tu m'as dit que tu l'aurais tué, sinon. Je t'ai juste demandé de les garder. T'étais où, d'ailleurs? Un coup de fil urgent. Alors, Maurice a craché le morceau? Oh, sans déconner. Allez, on nettoie ce bordel. Et arrête d'admirer ton travail. Bon, c'est sympa tout ça, mais tu me déçois, Pierce. C'est vrai, quoi? T'as même pas remarqué mon petit coup de vis dans la guerre des gangs. J'aime pas laisser les choses en plan. Aide-moi à le sortir de là. Non, trop tard. C'est la fin de la 8e manche, Chicago mène, et le match est presque fini. On n'a plus le temps. Joli coup. Bon, sinon... T'es sûr que t'es pas un petit peu curieux pour mon coup de fil? D'accord, vas-y, parle-moi de ton coup de fil. Ah, ça fait plaisir. Bon, alors on a un tas de cadavres, pas vrai? Et on a 40 000 personnes juste au-dessus de nous. Il nous fallait une diversion. Donc, j'ai appelé les flics. Mais non. Si, je te jure. Quand les flics arriveront et que les potes de Maurice débarqueront, ça va faire pam. Jordi, dis-moi que tu déconnes. Non, je les ai appelés eux aussi. Il va y avoir une belle baston à la fin du match. Et toi et moi, on dégage discrètement. Demain, tu me remercieras. Les suspects sont sûrement armés. Super. Des flics à l'heure. Je m'occupe de ces types. Toi, t'attrapes Maurice et tu le sors de là. Maurice? Je ressemble à quoi, moi? Un taxi? C'est lui qui a tiré. J'en ai pas fini avec lui. Connard. Police de Chicago! S'il y a quelqu'un là-dedans, identifiez-vous! Ici. C'est un Viceroy. Et le fusil, là, ça doit être l'arme du crime. Il y en a un autre ici. Encore un Viceroy. Alors, il n'y a pas vraiment de victime. Pourquoi ils font ça le jour du plus gros match de la saison? Ils cherchent vraiment à gâcher la fête? Central, on a 2 cadavres au sous-sol du Bell Stadium. On dirait que ça s'ouvre de l'autre côté. That's a pitch and a hit, and it looks like... Yeah, that's a foul ball. Rogers not falling for that one. Both men, of course, experts at the mind game. Two on, two out, folks. Something's gonna give soon, and it could go either way. Sonoma pitches, that's a big hit! T'as vu quelque chose? Non, rien du tout. On nous a signalé un bail. Il ne bougera pas à moins que je lui donne une bonne raison. Monsieur.
Vous, approchez. Mais quoi ce plan? J'ai rien fait, moi. Si j'avais pas assez de soucis parler. Comme quoi, mais bien que tu veux, j'étais là. Arrêtez, faites-moi voir mon Hé, mais vous avez pas le droit, ça se fait pas, ça. Reculez, tout de suite. Vous êtes des Viceroy, c'est ça? C'est pas illégal que je sache. Faites pas la maline. Il sort tout l'argent pour vos billets VIP. Je suis sûr qu'il gagne plus que vous. Bad Boy, la police va bientôt boucler tout le secteur. Il me faut une grosse diversion, sinon je suis coincé. J'aimerais couper le courant, juste le temps de filer. Dans tout le stade? Je croyais que la musique le justicier de faire oublier. L'électricité est reliée au CTOS, mais c'est derrière un gros firewall. Écoute, il faut à tout prix que je sorte du stade. Tu peux me trouver le point d'accès le plus proche? Dans la pièce suivante. Mais tu vas devoir trouver quelqu'un avec un pass de sécurité. Les types de la sécurité doivent avoir le code d'accès, avec tous ces flics qui doivent bien avoir. Hey, c'est quoi, Alan? Oui. Vous avez un plan d'évacuation? Oui, bien entendu. Parfait, alors lancez-le. Attendez, je vais pas évacuer 40 000 personnes pour qu'on puisse jouer au cowboy. S'il y a un incident isolé au sous-sol, il suffit de fermer le sous-sol. Ça fera l'affaire. Ça n'a aucun problème. Écoutez, tous les flics de Chicago vont débarquer dans le stade. Les spectateurs vont paniquer, il faut arrêter le match et les faire sortir dans le cadre. Arrêter le match? Je peux pas faire ça. Alors trouvez-moi quelqu'un qui peut et dépêchez-vous. Ok, attends. Jordi, où est-ce que t'es? Bah, je me suis barré. Je suis allergique aux flics. Maurice aussi, d'ailleurs. Mais t'inquiète, je t'ai laissé un petit cadeau. Le pote d'un de mes potes travaille dans les voitures d'occasion. Va voir dans le garage de l'autre côté de la rue. T'en fais ce que tu veux, je m'en fous. Allez, à plus tard. Viens de voir un paquet de voitures passer. Ça fait beaucoup de sirènes pour une coupure. On va jeter un œil dans les rues latérales. Il vaut mieux pas bouger. Tom, mais qu'est-ce qu'il passe? C'est quoi ce bruit? On est en position, on cherche toujours le suspect. Ce mec a filé, on rentre. Ça valait vraiment le coup. Je tiens enfin celui qui a tiré. Il ne me reste plus qu'à le faire parler. Mais comment? J'y suis allé fort avec Maurice. Mais la torture marchera pas. Faut que j'arrive à entrer dans sa tête. Sa culpabilité le bouffe.
Je vais lui laisser quelques jours. Je suis sûr qu'il va se mettre à table. Pourquoi tu restes assis là? Il va venir, hein? C'est pas comme la dernière fois. Jackson, Trésor, je l'ai invité. Ça fait longtemps. T'es sûre que t'as fait le bon numéro, maman? Chérie, ton oncle est un peu spécial, je sais. Mais ça veut pas dire qu'il t'aime pas. Apparemment, nos infos sur Maurice étaient correctes. On a réussi à accéder au City OS par une backdoor pendant que tu occupais la police. Et puisque c'est gagnant-gagnant, on va partager. La backdoor te permet d'accéder à une portion du réseau City OS. Je vais essayer d'aller encore plus loin. Donne-moi un peu de temps. Chef, on ira à Pony. J'en peux plus de me souvenir d'elle comme ça. Je rêve plus jamais de son visage à la fenêtre quand j'allais les voir. Ou de la petite danse rigolote qu'elle faisait. C'est toujours le même cauchemar. C'est pas normal. Il faut que je me change les idées. Heureusement, la ville est pleine de distractions. Et elles ne peuvent pas m'échapper. C'est un peu fort. Il était là ? Il nous dit que...
Faudrait quand même que je remercie le CTOS. Une petite brèche dans leur logiciel de reconnaissance faciale. Et voilà, j'ai accès aux données personnelles de tout le monde. Faites gaffe. Ce mec a l'air violent. Il faut pas le laisser s'en prendre à quelqu'un. Je vais le retrouver. Un mouchard sur son appel. Et je le tiens. Vous êtes bourré ou quoi ? Il y a un cambrioleur qui a essayé de rentrer chez moi hier soir. Tu vois très bien comment elle fait. Elle se pointe là-bas, elle tortille du cul, elle se couse les cheveux longs, et elle se plaint toujours de quelque chose. Hé, hey, tu crois que j'ai peur d'appeler les flics ? Voices in the air, I hear them loud and clear, telling me to listen. Voilà, il est dans cette zone. Faut que je fasse attention, ne pas me faire repérer. Et laisser le profiler faire son travail. Hablamos a fondo y no nos callamos nada. Ya estamos bien. ¡Por fin! Gran parte del problema era mío. Pero si no te asustes... C'est sûrement après elle qu'il en a. Il est dans le coin. C'est sûr, je le sens. Tu disais quoi? Non. Ok, te perdió la mente. Hey! On peut discuter. Mais je veux pas en parler avec toi. Tu comprends? C'est fini. Fais-toi une raison. C'est tout faux. C'est pas terminé. Mais là, plus personne maintenant.